Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la Pléiade pour Fresh, notre chronique régulière pour vous faire découvrir des jeux étudiants absolument remarquables. Ce mois-ci, nous allons parler de Shadows of the Sunless World. Un bien long titre pour un super jeu, mais pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire chacun votre tour, comment vous vous appelez, quel cursus vous suivez, ainsi que votre rôle dans le développement du jeu? Alors bonjour, donc moi c'est Eva Bolivier, je suis dans le Master Game Design de Lengmin, donc j'étais game designer et narrative designer sur le jeu. Bonjour, Nicolas Noël, j'ai fait exactement la même formation, donc le Master de Lengmin, également Game Design, et donc du coup je participais au Game Design et au Level Design plus particulièrement dans le cadre du projet. Pour quelle plateforme vous avez imaginé Shadows of the Sunless World, et surtout, quel est son concept? On l'a tout de suite imaginé sur PC, parce qu'évidemment pour un projet étudiant c'est la plateforme la plus accessible. Très vite on a eu des retours sur la possibilité d'adapter le jeu pour la VR, mais ça s'est pas concrétisé à la fin. L'idée c'est qu'on incarne un personnage qui s'appelle Echo, et ce personnage ne peut percevoir le monde que grâce à l'écholocation. Cette écholocation n'est pas due à un handicap comme la cécité par exemple, il fait partie d'une espèce qui a toujours vécu de cette façon. Lors d'une guerre contre des créatures monstrueuses, son peuple est chassé hors de la surface de leur planète et ils vont vivre pendant des décennies sous terre, serrés comme des rats. Au moment du jeu, Echo a commis une faute grave et est exilé par son peuple pour mourir seul à la surface. Et donc c'est là où le joueur va incarner donc ce personnage qui va tenter de survivre en échappant à ces créatures monstrueuses qui ont, elles, colonisé la surface. C'est donc un jeu en vue FPS, souvent très très sombre. Oui, on incarne ce personnage à la première personne qui se déplace dans un environnement en 3D. Et en fonction des bruits de pas qu'on fait et de la vitesse de ces bruits de pas, on va pouvoir plus ou moins révéler l'environnement autour du personnage d'Echo. Et on l'a décliné dans une autre capacité qu'on appelle le scouting, qui en fait permet de toucher des matériaux pour sentir les vibrations et de révéler le matériau à l'écran. Et si jamais il y a un ennemi ou un animal ou quelque chose de vivant qui passe sur ce matériau, on va aussi le révéler. Donc ça nous permettait de décliner cette mécanique d'Echo et de pouvoir voir plus loin que les bruits de pas. Est-ce que d'autres personnes ont participé au développement de Shadows of the Sunless World, et le cas échéant, combien, à quel poste? Du coup, on était 9 personnes, donc il y avait donc Nicolas et moi en tant que game designer. Chez les graphes, il y avait donc Marine Furlan et Timothée de Glinosanti. Chez les progs, Hugo Belfior et Alice Pinto. En tant que sound designer, Robin Richard. Ergonome, c'était Anaïtis de France. Et enfin, notre producteur ou chef de projet, Émeric Manceau. Est-ce que vous pourriez nous dire à partir de quoi le projet a démarré et ce qui a généré son idée principale? En fait, tu nous parlais de pouvoirs particuliers, de gens qui étaient nés dans un environnement particulier, qui avaient développé des aptitudes particulières. Est-ce que c'est une expérience personnelle? Comment ça vous est venu cette idée-là? En fait, la manière dont ça marche à l'école, c'est que tous les élèves de la promotion en fait, pitchent leurs différents projets. Donc chacun va présenter ses projets et les vendre. Et parmi les projets, certains sont sélectionnés. Et en fait, les personnes qui ont pitché ce projet, c'est pas nous. C'était notre sound designer et notre ergonome qui avait eu l'idée initiale, mais qui a beaucoup évolué par rapport à ce qu'elle était au début. Donc en fait, je sais pas exactement leurs inspirations. Le sound designer qui s'appelle, tu as dit Romain Richard. Oui. Oh, d'accord. Et Anaïtis de France, du coup, l'ergonome. Et du coup, le pitch original, qui avait les chuchoteurs, qui étaient le peuple d'Echo, qui était un espèce de groupe qui vivait sur une planète dans laquelle il y avait une. Je crois qu'il y avait une histoire d'éclipse encore à ce moment-là, qui menait en fait au fait qu'il n'y avait plus du tout de lumière. Et donc, du coup, il y avait ces créatures qui étaient donc les manches-bruits, quelque chose comme dans ce coup-là. C'est une bonne donc, idée. Qui sont plus ou moins nos créatures au final, et qui en fait étaient les prédateurs de ses ennemis. Et bref. Donc, ça, c'était plus un pitch historique, mais il n'y avait pas. Le gameplay était encore à ce moment-là orienté vers de l'action-aventure. La première piste que j'avais envisagé proposer, c'était justement un truc d'infiltration, et c'est Eva qui a dit non mais on devrait faire un jeu d'horreur, ça serait beaucoup plus pertinent, et en fait ça a fait le tilt et on est parti là-dessus. C'est vrai qu'il y a tout un lore et tout ça qui est très bien construit, d'ailleurs qui est annoncé dès le début du jeu, mais la flip c'est vraiment de ça dont il s'agit, hein. On est vraiment plongé dans le noir à la découverte de sensations comme ça. Moi, ça fait très longtemps que j'avais pas eu des sensations aussi pures dans un environnement 3D. Ça m'avait rappelé un jeu que vous n'avez certainement pas connu à votre âge, mais qui s'appelait Dungeon Master, et dont le principe consistait à avant même que les jeux 3D puissent évoluer en animation, à des side-by-side et à ne pas savoir en fait ce qui se passait dans les angles. Donc on se retrouvait toujours face à face avec un ennemi. Et j'ai vraiment retrouvé cette impression-là, ça m'a énormément plu. Justement, on parlait d'un autre jeu, mais quelles ont été vos influences et quelle envie particulière vous avez tenté de préserver tout au long du développement?
Nos influences, les jeux auxquels on a joué pour s'inspirer, ça a été principalement Perception, qui est très proche en termes de concept, mais dans lequel on incarne une personne, cette fois aveugle, pour de vrai. Et je me suis dit, ça serait intéressant de reprendre ce concept et vraiment, cette fois, créer une expérience viscérale. Et c'est ce qui a vraiment guidé tout notre jeu. On s'est demandé comment créer des sensations et comment est-ce qu'on va exprimer ça en gameplay, en visuel. Une autre influence aussi en termes, cette fois, de sensations, ça a été Alien Isolation. Et c'est vraiment cette sensation de peur viscérale qu'on voulait retrouver dans notre jeu. Et pour ce qui est du level design et pour ce qui est de Nicolas, je pense que tu t'es beaucoup inspiré de Obduction pour le level design. Obduction, on a gardé que ce qui pour nous était le cœur, donc la partie d'horreur. Et donc Obduction, c'est pour moi, c'est le successeur de Myst. En fait, c'est les mêmes créateurs qui. C'est Cyan. Ouais, ils sont revenus d'entre les morts. Ils ont fait un nouveau jeu qui s'appelle Obduction, que je trouve très très bien, titre particulier. On n'est pas là pour parler de ça. on peut. Mais voilà, c'était la dimension d'exploration, de découverte sans cesse renouvelée, etc. Et je me disais que ça allait bien en fait avec le fait que vu qu'on avait une vision très très limitée, on avait vraiment cette sensation. Enfin, de découverte progressive avec la vision, mais ça c'était surtout pour la partie qui n'a jamais été faite d'exploration. Mais j'imagine que d'une certaine manière ou d'une autre, parce que c'est un jeu que j'avais fait pas longtemps avant de faire le projet, ça a dû m'influencer aussi derrière quand j'ai fait le level design en fait du jeu pour la partie horrifique pure. En combien de temps l'équipe a-t-elle pu arriver à la version actuelle de Shadows of the Sunless World? 4 mois. C'est mon chiffre. Okay. Et quelle étape s'est révélée la plus longue ou la plus complexe? On a eu une période où on a fait un playtest de ce qui est censé être représentatif du jeu et que personne ne comprenait rien à ce qu'il fallait faire. Et là, c'était une assez grosse remise en question où on a dû mettre à plat et se dire c'est quoi les objectifs du jeu, c'est quoi les objectifs de l'exercice. On a fait certains sacrifices où on s'est dit que toute la partie tutoriel, introduction... c'est passé un peu à la trappe. Du coup, ça a rendu l'expérience beaucoup plus immersive parce qu'on a, à part cette introduction imagée au début, on est tout de suite dans l'univers, on ne sait pas où est-ce qu'on est, on est dans le noir, on est obligé de bouger pour voir où on est et on entre tout de suite dans qu'est-ce que c'est l'expérience du jeu. Donc dans ce sens-là, le fait qu'on ne fasse pas rentrer le joueur petit à petit dans l'expérience, ça a peut-être été un bénéfice à l'expérience globale. Est-ce que la représentation visuelle de l'éco-location vous a posé un certain nombre de soucis ou pas? Parce que moi je la trouve très très bien réalisée, c'est ce qui vraiment, c'est un peu la patte du jeu tout de suite, c'est ce qu'on voit en premier, enfin, ça marche vraiment bien quoi. Est-ce que ça a été compliqué à réaliser? C'est la première chose qu'on a vu le prototyper parce que c'est le cœur de notre mécanique et on savait que ça serait la difficulté et on a fait des modifications presque jusqu'à la fin et on l'a vraiment peaufiné. Vu que c'est complètement le cœur du jeu. Alain Jmin, que vous a-t-on donné comme conseil qui s'est avéré au final le plus utile? Le conseil le plus important, c'était de ne pas oublier la dimension sonore du jeu. Ça paraît peut-être évident, mais nous, en tant que game designer, on ne pense pas forcément au son, à part en termes de feedback, de signes. Et même si on voulait une expérience viscérale, on se disait, bon, il y aura une ambiance sonore, ça fera une expérience viscérale. Et c'est pour ça que la collaboration avec notre sound designer a été vraiment très importante. Ce qui est légitime, vu que le jeu part d'une idée qui vient d'un sound designer, c'est vrai que c'était super important. Et ça a payé, parce qu'au final, l'un des principaux retours qui venait de la part des jurys, des pros et même des joueurs aussi, sur Internet, c'est bon sang, le sound design, il est trop cool. Ça a vraiment nourri totalement l'expérience, quoi. Oui, de ne pas penser les mécaniques en vase clos, mais de prendre en compte toutes les dimensions sensorielles que nous apporte le jeu vidéo. Ouais. Quelle est la leçon la plus importante que vous allez retenir de ce développement, donc à titre un peu plus personnel que tout à l'heure? Moi, du coup, ce que je retiendrai, on en a déjà un peu parlé, mais ça va faire des sacrifices et pas trop s'attacher aux choses et pas se braquer si jamais une de nos idées n'est pas prise ou quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur dans ce projet en particulier est cuté. Savoir voir l'intérêt du reste et savoir se recentrer sur un objectif très fort. Moi, je pense que ce qui me viendrait à l'esprit comme leçon, c'est penser à bien communiquer le plus tôt en amont possible ces idées, ces pistes d'idées avant même qu'elles soient arrêtées, parce que en fait, c'est avant tout un projet d'équipe. On était 9, on a tous notre mot à dire sur le projet et quelque chose à lui apporter. Comment nos idées nourrissent le travail des autres et comment le travail des autres nourrit nos idées aussi. Le fait que c'est ça dans les deux sens, quoi. Du coup, est-ce qu'il y a un moyen pour nos auditeurs de jouer ou d'essayer Shadows of the Sunless World? Bien sûr. Donc on a une page itch.io
Et si vous cherchez nos noms, donc Eva Bollier ou Nicolas Noël sur Itch.io, on a notre jeu dessus. Enfin, quand il vous reste un petit peu de temps pour jouer, quel est le titre que vous attendez le plus en ce moment ? J'ai aucune visibilité dans le futur des sorties de l'actualité. Je suis au courant quand ils sortent. Mais les jeux sur lesquels je reviens toujours, surtout quand ils ont des mises à jour, c'est les 4X et notamment les 4X de Paradox Interactive. Et donc là, j'ai replongé dans Crusader Kings pour ne jamais ressortir. Je te souhaite tes enfants en boucle pour pouvoir régner mieux. Et toi, Nicolas, tu me parlais d'Obduction tout à l'heure, mais moi, c'est le cure du Super Mario Maker 2 parce qu'en plus, ça fait faire un peu de travail à la maison, de faire du level design chez soi, donc c'est bien, c'est tout bénef. À la fois, on s'amuse et on bosse et on progresse. Donc ça, c'est cool. Merci encore, en tout cas, pour nous avoir rejoint et pour nous parler de Shadows of the Sunless World. On diffusera toutes les infos du jeu sur nos réseaux sociaux pour ceux qui voudraient en savoir plus et surtout l'essayer, ça serait la meilleure des choses, pour qu'ils vous contactent et éventuellement vous faire des retours. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Fresh sur un prochain jeu étudiant.